Yop tout le monde, ici Webel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment mettre des mods en 1.6.4 sur Minecraft avec Forge Installer. Enfin Forge quoi, tout simplement. Donc déjà nous allons nous rendre sur internet pour installer Minecraft Forge Installer en 1.6.4 ou en 1.7.2, mais moi je vais vous le faire en 1.6.4. Donc on enregistre, bon moi j'enregistre pas parce que j'ai déjà fait avant. Ouais, donc j'ai déjà préparé. Alors où est-ce qu'il est? Ah, Minecraft Forge Installer. Voilà, donc une fois que vous arrivez là, si vous voulez faire un serveur modé, je voulais faire une vidéo sur ça, mais je suis pas trop sûr de vouloir la faire en fait finalement. Parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes en faisant ce genre de vidéo, il y a toujours un petit bug. Donc voilà, c'est aussi je fais un tuto très simple. Donc vous marquez Install Client, si vous voulez tout simplement mettre des mods sur votre Minecraft. Donc vous mettez OK. Ah, par contre, vous vérifiez la source, mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. À part si vous avez installé Minecraft sur un dossier sur votre bureau, mais bon, ça m'étonnerait fortement. Donc, vous mettez OK. Bon, moi, ça a été rapide puisque j'ai juste supprimé les mods. Sinon, il y a tous les dossiers qui ont été faits. Donc, pour montrer que j'ai aucun mode, je vais lancer. Donc, pour mettre des mods, vous ferez Windows R et vous marquez %, AppData %. Mais je pense que vous le savez déjà. Donc vous allez dans .minecraft, dans votre dossier mode, une fois qu'il a été créé, bien entendu. Avant, il n'y sera pas, sinon, tant que vous n'avez pas fait, en fait, tant que vous n'aurez pas lancé Minecraft Forge Installer, et bien, il n'y aura pas le dossier mode. Il y a, en fait, c'est juste Forge qui l'ajoute. Bref, au pire, ça, on s'en fout. Oui, donc, comme je vous l'ai dit, je vais les supprimer. Ou je les supprime pas. Si, je vais les supprimer, mais je vais garder que tout mon item. Et PokéSip. Pour vous montrer en fait en même temps des modes très simples. Iron Chest, c'était pour mon serveur modé. Il marchait même pas le mode, donc quand je vous ai dit que j'ai toujours un problème. Ouais, au pire sinon je fais ça. Hein. Ouais. Voilà, c'est fini. Bon, ensuite nous allons lancer Minecraft. Vous pouvez le mettre sur votre version crack, hein. Vous avez juste à sélectionner votre dossier crack et vous balancez les modes dessus avec en sélectionnant bien Minecraft Forge Installer sur votre dossier. Donc question, vous voyez pas quoi? Voilà. Donc vous pouvez voir que si je vais sur mon dossier, sur mon profil Weevil, je suis en 1.7.2. Bon, mais c'est pas ça que je voulais, c'était les bonnes. Donc je vais vous lancer votre profil Forge. Oh punaise, il m'énerve. Impératif. Obligatoire, pardon. Impératif, ok. Bref, on s'en fout pour les fails, pareil. Allez, nous lançons. Alors vous pouvez voir qu'il n'y a pas le petit truc qui t'affiche... à droite, mais vous inquiétez pas, ça marche quand même. D'abord, normalement, pour moi, ça marque à chaque fois, on ne répond pas. Mais bon, là, ça n'a pas fait, étant donné qu'il n'y a que 5 modes. Donc, je vais dans mon truc test. Hop là, bon. Vous pouvez voir que ton item est bien installé. Je vais mettre en mode créatif et vous pouvez voir que j'ai des flèches, donc ça veut dire déjà que PokéCycle a bien été ajouté. Regardez, PokéCycle, vous voyez bien que c'est marqué PokéCycle. Et donc je peux faire du vélo, orange aussi. Hop là. Quand je vous ai dit aussi, je vais vous montrer quelques modes très sympas. Sûrement que vous le connaissez, mais bon. Ouais, alors déjà, il faut choisir un bon endroit. Ici. Oula. On peut sauter. Hop, ouais, bon, à part quand on déglingue son vélo, mais sinon ça va. Donc voilà, vous pouvez voir que Pokéci marche. Et que, et bien entendu, tout mon item aussi. Bon, si vous n'êtes toujours pas convaincu, on va rajouter un mode. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Un mode pour les tarés.
Donc Windows Air App Data, .minecraft, mode, et vous collez votre dossier. Ah, par contre, inutile de le décompresser. Ou alors, si vous le décompressez, vous mettez le dossier. Et pas la peine, je veux dire, de marquer, enfin, de copier ça, de le coller, sinon vous n'allez même pas vous en sortir quand vous allez le supprimer. Donc, comme on dit, laisse béton. Voilà, c'est un tuto très rapide, hein, 5 minutes. Attendez, je vais juste voir un truc. J'ai grillé ou quoi? Ah non, j'ai pas cliqué. Bref. Non, je, en fait, je vais juste voir si Microforge Installer y était. Mais non, il est ici, pas mis. Bref. Bref, donc, play. Toujours pas le message qui s'affiche, c'est normal. Normalement, ça vous l'affiche pas, mais bon, si ça vous l'affiche. Bah tant mieux pour vous, ça veut dire qu'il est en train de le charger, mais aussi ça veut dire qu'il y a une merde et qu'il va sûrement y avoir une erreur. Parce que moi, le nombre de fois que ça m'a mis le message, à chaque fois qu'il y avait une erreur, mais bon, c'était sur les versions antérieures du style 1.6, antérieure à la 1.6, si je finis pas ma phrase. Donc, alors, voilà. Donc, le mode taré que je vous ai dit, c'est TNT Mush. Ça rajoute plein de TNT. Je vais vous montrer les meilleurs. La Meteor, non, peut-être pas, elle va faire laguer la vidéo. Oui, quand je vous dis qu'elle va faire laguer, elle va faire laguer. Celle-là, elle est pas mal. Et celle-là, pour le fun. Allez, hop. Très rapide. Non, sans le vélo, par contre, merci. Normalement, ils vont se casser les dents maintenant. Oh, ce poids, waouh. Ça va faire laguer ou pas? Ok, bon, un petit avant-goût. Allez, on va aller là-haut. On va se mettre là. Après, je vais vous montrer mes trois préférés. On s'écarte un petit peu. Je pense que je l'ai mal mis là. Une maison. Oui, bah oui, attendez, c'est extrêmement réel. C'est surtout extrêmement connu que quand on fait péter une TNT, il y a une maison qui sort. Eh oui, attendez. On est dans la Dragon Ball Z, c'est une capsule. Attention. Bref. De plaisanterie. Au secours. Ah mince, le lit s'est cassé, du coup il n'y avait pas cette place. Bon, voilà, je vous ai montré un petit aperçu vite fait. Et la compact, non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas faite. Je parle tellement vite, à mon avis, vous avez même pas compris ce que je dis. Au pire, Osef. Hein. Donc cette fumée là veut dire que ça fait un gros trou en profondeur. Voilà, un gros trou épais tout en profondeur. Si vous voulez, il y a là très simple, hein, elle fait juste un petit trou. Là voilà. Elle fait un petit trou, hein, un cube, pardon, et c'est tout. Voilà, donc vous pouvez voir que ça marche très bien, il suffit juste de mettre un mode installé en format zip ou alors justement avec le dossier dans votre dossier mode et puis voilà quoi, c'est fait. On va terminer la vidéo sur mes bons préférés. Elle est où la Animals? Je cherche l'Animals, alors voilà, plus j'étais dessus. On va faire péter la Animals, la Enderboom. D'abord la Animals et après elle. Ah bah elle est dans le même temps. Je crois que je me suis epic fail. Bon, normalement ils vont. Oui, comme je vous ai dit, j'ai epic fail, je la recommence. Bon, on va d'abord faire la Animal. Désolé pour le petit coup de lag. Mais c'est vrai que déjà qu'il bug. Pas mal. Et là, ça va faire boum. Niveau là. Donc en fait, la Ender machin là, la Ender Boom, vous fait voler un truc de monstre. Regardez. Vous voulez aller en hauteur, pas de problème. Ender Boom. Et là, vous pouvez chanter
Un bélier avec un fail, bon, à part quand ça fail. J'aime pas quand ça fail. Bon, par contre, je vais pas chanter. Voilà. Inutile de vous dire qu'on vole très haut. Et ça évite plein de problèmes. Bon, par contre, on s'est fait le tour d'intérêt. Je préviens juste. Donc voilà, et bien, c'était Wavell pour une petite vidéo tutoriel sur les modes. Allez hop, tchuss.